retrouver pour vous présenter les 6 derniers signes du zodiaque pour la semaine du 23 au 29 juillet. On commence donc par la balance. Côté cœur, si c'est différent, attractif et marrant, ce sera follement excitant. Comptez surtout sur vos amis pour vous entraîner dans des virées festives un peu dingues et vous aurez pleinement profité de ce ciel-là, premier décan. Côté pro, rebondir, organiser, lancer des idées, voilà tout ce qui devrait vous plaire en cette semaine pétillante. Affichez sans complexe ces belles envies de vie qui vous démangent et soyez la star du moment. Scorpion. Côté cœur, le volcan qui sommeille en vous se réveille pour le meilleur. Traduisez que Vénus sera en très sensuelle connexion avec Jupiter et Pluton. Incroyable comme vous êtes compatibles et sur tous les plans, deuxième décan. Côté pro, sûrement plus de revendications que de concessions, mais on s'habitue à tout, même à ça. Un autre scorpion du premier décan a besoin avant tout d'exister et qu'il aime devra d'abord le laisser décider et respirer. Sagittaire. Côté cœur, une histoire finalement trop belle pour être vraie? Quelqu'un vous la joue à l'envers, deuxième décan? Ne vous faites surtout pas un film idyllique d'une rencontre qui n'est peut-être qu'épisodique. Côté pro, vous possédez ces temps-ci l'enthousiasme et la générosité spontanée apte à donner une dimension grandiose à un simple projet. Prenez donc vos désirs pour des réalités et foncez, premier décan. Capricorne, côté cœur, ça peut devenir waouh pour le deuxième décan. Dans la vie comme au lit, le jour comme la nuit, entente XXL et partenaire ultra sensuel. Mais oui, mais c'est même pour ça que vous l'avez choisi. Côté pro, allez dans le seul sens de vos plaisirs, soyez ultra motivés. La passion que vous mettrez dans vos activités estivales est un très sérieux atout pour profiter à fond de ces vacances, deuxième décan. Verseau, côté cœur, jouer avec le feu vous paraîtra tellement plus excitant au premier décan. Vous aurez du mal à prendre la juste mesure des choses et ça peut déraper à tout moment, attention. Côté pro, s'il s'agit de plaisir ou de loisir, vous verrez les choses en très très grand, troisième décan. C'est comme ça la Dolce Vita, mais trop de petites folies finiraient quand même par anéantir vos économies. Poisson. Côté cœur, ce n'est pas parce qu'il ou elle vous regarde dans le blanc des yeux qu'il ou elle est forcément blanc-bleu, deuxième décan. Quand Vénus est viciée par le sournois Neptune et que quelqu'un vous promet la lune, attention au mirage. Côté pro, ne vous laissez pas dérouter par un drôle de concours de circonstances, évitez les négligences et ne faites pas trop confiance. Vous manquez peut-être d'objectivité et la fiabilité n'est pas le must de la semaine, deuxième décan. Au fait, avez-vous déjà testé nos tarots professionnels sur le 3267? Il y en a sûrement un qui peut répondre à vos questions du moment. Il y a le tarot 12 lames et l'extraordinaire tarot des domaines. On pianote et on note, c'est sur le 3267. Essayez donc pour voir.